Bonsoir à tous. Dans les titres de l'actualité ce soir, les raisons officielles de l'arrestation hier de la candidate recalée du Parti Les Démocrates à la présidentielle prochaine au Bénin, Mario Metonou, le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, a parlé à la presse ce matin de projets d'assassinat de personnalités dans le dessein de bloquer le processus électoral en cours le 19h30. Vous propose l'intégralité de la déclaration du procureur dans un instant. Demain, le Bénin célèbre ses artisans. C'est une journée dédiée à cette catégorie socioprofessionnelle dont la contribution à l'économie nationale n'est plus à démontrer. Le ministre Modeste Kérékou dira de bons mots à leur endroit dans cette édition d'information. Les réalisations du gouvernement en 5 ans, documentées dans un bréviaire, son titre dit tout de son contenu et de l'objectif. 10 minutes pour convaincre sur les acquis du PAG 2016-2021. Il est officiellement mis en circulation à travers une cérémonie dont on vous rendra compte dans un instant. C'était là les grands as de cette édition vespérale de l'information. Bienvenue à tous. Rekia Madougou ferait partie d'un réseau engagé dans le funeste dessein d'assassinat ciblé et de blocage du processus électoral en cours. Parole et confidence du procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme face à la presse ce matin. Une sortie pour justifier l'arrestation hier de la candidate recalée du parti Les Démocrates à la présidentielle prochaine au Bénin. Voici la substance de ce que Mario Metonou a dit ce jour même au micro d'Emma Rodonou et de Thibaut Aroloupé. Le 3 mars 2021, vers 19h, Madame Rekia Madougou a été interpellée par la police républicaine. L'intéressée avait été gravement mise en cause dans une procédure d'enquête ouverte le vendredi 26 février 2021 contre les nommés Ibrahim Mamatouré, colonel de l'Est Gendarmerie à la retraite, et Georges Saka. À l'étape actuelle, les faits ainsi qu'ils ressortent de la procédure d'enquête se présentent comme suit. Disqualifiée de la course à l'élection présidentielle d'avril 2021, Mme Rekia Madougou et certains membres de sa formation politique ont, selon toute vraisemblance, formé le dessein de perturber le déroulement du prochain scrutin en perpétrant des actes de terreur de grande ampleur. Ainsi, le 24 février 2021 vers 22h30, Georges Saka, qui se trouve être l'un des plus proches collaborateurs de Mme Rekia Madougou à Parakou, est entré en contact avec le colonel Ibrahim Mamatouré pour, dit-il, lui confier une mission importante et très sensible. Cette mission, prévue pour se dérouler en plusieurs étapes, devait commencer par le meurtre d'une autorité influente de la ville de Parakou sur un axe routier emprunté régulièrement par cette dernière. La mission devait ensuite se poursuivre par l'élimination d'une seconde autorité politique à l'occasion des obsèques de la première victime. Le but de ces manœuvres est de provoquer la terreur, le chaos, et de parvenir ainsi à faire suspendre le processus électoral en cours. Le colonel Ibrahim Mamatouré accepte la mission. Les deux mises en cause définissent les modalités de la première opération avant de s'accorder sur son coût. La somme convenue est versée par Georges Saka au colonel Ibrahim Mamatouré dans la journée du vendredi 26 février 2021, un peu avant 11h. Juste après la remise des fonds, les deux individus sont interpellés par la police républicaine. De l'aveu du colonel Mamatouré chargé de l'exécution de la mission, il ressort que cette somme a été envoyée par Mme Rekia Madougou. C'est ce qui justifie l'interpellation de cette dernière dans la journée d'hier et dans le cadre de l'enquête en cours. Il faut rappeler que l'atteinte volontaire à la vie des personnes, à leur intégrité ou à leur liberté, ainsi que l'enlèvement ou la séquestration des personnes, lorsqu'elle a pour but de contraindre indûment les pouvoirs publics à accomplir ce qu'ils ne sont pas tenus de faire, ou s'abstenir de faire ce qu'ils sont tenus de faire, est qualifié de terrorisme par les articles 161, 162
et 563 de notre code pénal. Je vous remercie. Parlons toujours du processus électoral en cours, mais sur un volet moins stressant, un creuset est né pour promouvoir la paix pendant cette période. C'est un mouvement dénommé Néhémie qui va s'adresser justement aux chrétiens parce que ses membres sont aussi chrétiens. Voici le point de la cérémonie de naissance de ce creuset. Depuis l'hôtel du lac de Cotonou, la communauté chrétienne donne de la voix et s'invite dans le débat autour de l'élection présidentielle du 11 avril prochain. Le mouvement dénommé Néhémie est né pour rappeler à l'attention des chrétiens de tous bords les comportements pacifiques et paisibles, les actes dignes d'un bon chrétien par ces moments sensibles où l'on assiste à une montée de la fièvre électorale. Pourquoi le nom Néhémie? Effectivement, nous avons, en fouillant les Saintes Écritures, découvert un homme. Si vous voyez dans le livre de Néhémie, cet homme s'appelle effectivement Néhémie, un grand bâtisseur. Alors qu'il était à l'étranger, il a reçu l'autorisation du roi du pays où il était. Et il est retourné à Jérusalem. Il a dit, la nation ne peut pas rester comme ça. Mon pays ne peut pas rester dans cet état. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé? Il s'est trouvé des gens habitant la ville que lui avait quittée depuis des années pour s'opposer à lui, pour dire, mais non, pourquoi c'est toi qui viens? Pour réparer, est-ce qu'on t'a demandé de réparer ça? C'est bon pour nous comme ça. Messager de paix, ces leaders religieux et fidèles entendent chacun dans son environnement jouer sa partition de préservation de la paix pour le déroulement du processus électoral. En clair, le chrétien doit avoir à l'esprit la préservation du bien commun et le respect de l'autorité. Chrétien, lumière de la nation. Conscient que la paix n'a pas de religion, le mouvement Néhémie se veut ce projecteur sur les ténèbres de division et de menaces à la paix entretenues par des acteurs politiques, bien souvent portés par leurs intérêts personnels et partisans. Comme Néhémie, nous devons nous lever par rapport à tout ce que nous allons voir, les transformer en prière pour porter le message à tous les Béninois d'œuvrer pour la paix. La déclaration qui a sanctionné la fin des travaux invite tout le corps du Christ à un sursaut chrétien autour des enjeux de paix. Pour que là où il y a des paroles de reine, nous puissions reprendre les paroles d'amour. Là où il y a des paroles blessantes, nous puissions reprendre des paroles qui édifient. C'est là l'appel que nous voudrons vous lancer ce matin. A souligner que ce mouvement est orphelin de Pascal Lafaux, ancien directeur de cabinet de la présidence de la République, lui qui a été un ardent défenseur de la matérialisation de cette œuvre devenue réalité après son décès. Parlons toujours de mouvement. Celui dénommé Rallye Espoir a tenu son édition 2021 dimanche dernier en ligne. Obligés par le contexte difficile de la pandémie du coronavirus, les participants de la Fédération pour la paix universelle évaluée à plus d'un million se sont vus par visioconférence pour parler de l'interdépendance, de la prospérité mutuelle et des valeurs universelles. On retrouve Herman Parfait à Niambosu pour le point. Pour la cinquième fois consécutive, les nouvelles technologies et médias conventionnels sont mises à contribution pour la réussite de l'événement dénommé Rallye de l'Espoir. Avec plus d'un million de participants du monde entier, le rallye parrainé par la Fédération pour la paix universelle apparaît désormais comme le plus grand rendez-vous virtuel mondial. D'une édition à l'autre, le protocole de la cérémonie n'a pas varié. Et c'est au Sud-Africain Radebe, président de la section Afrique de l'Association interconfessionnelle pour la paix et le développement, de coordonner le rituel interreligieux de l'eau. Invocation des chefs religieux représentant les principales religions du monde. Nous applaudissons et saluons le leadership de Mermoun, la mère de la paix et fille unique, ainsi que de son défunt mari, le père Moon, pour leur vision et leur travail pendant de nombreuses décennies pour créer une seule famille cosmique sous Dieu. Le rallye de l'espoir met l'accent sur les valeurs universelles prônées pendant des décennies par la famille Moon. Elle enseigne en effet la philosophie de l'interdépendance, de la prospérité mutuelle et des valeurs universelles. Vision qui appelle les peuples du monde entier à vivre ensemble en coopération,
en respectant la dignité et la valeur de chacun et en travaillant ensemble à un objectif commun, celui d'un monde unifié de paix. Et c'est aussi l'occasion pour les principaux orateurs de ce rassemblement mondial interreligieux et interracial de rappeler à l'attention des peuples et de leurs dirigeants les défis du moment. En somme, comment surmonter la crise actuelle de COVID-19 pour relever les nombreux autres défis auxquels la famille humaine est confrontée. Je tiens particulièrement à remercier Dr Moon d'avoir accueilli cet événement important et d'avoir consacré sa vie fidèlement à la recherche de la paix. Dans un contexte aussi éprouvant, tant pour les gouvernants que pour leurs citoyens, le discours du Dr Akjahan Moon, cofondateur de la Fédération pour la paix universelle et auteur du mémoire récemment publié « Mother of Peace », se pose un message d'espoir particulier à l'humanité pour la réalisation d'un monde céleste unifié. Si la péninsule coréenne devient réunifiée et que toute la Corée devient un seul peuple, et que ce modèle se répand au niveau de l'Asie Pacifique et se répand à travers le monde, nous pouvons devenir une force pour le bien qui va s'étendre à tous les continents et toutes les nations à travers le monde. Le rallye du 28 février a vécu. Les regards sont d'ores et déjà tournés vers d'autres assemblées qui, pour reprendre les termes de Dr Thomas Walsh, président de la Fédération pour la paix universelle, poseront à coup sûr une pierre angulaire pour la réalisation d'un monde de collaboration internationale et interreligieuse proactive au profit de tous les peuples. Retrouvailles en ligne donc à cause du coronavirus. Pendant ce temps, au Bénin, feu vert pour les rassemblements de plus de 50 personnes dans le cadre de la campagne pour l'élection présidentielle prochaine. C'est l'une des décisions prises par le gouvernement hier lors de sa traditionnelle rencontre hebdomadaire. Il y a eu par ailleurs des nominations mais aussi un limogeage. Voici l'essentiel des décisions prises à l'occasion présentée ici par le porte-parole du gouvernement. Au titre des mesures normatives, fixation des conditions de déroulement de la campagne de commercialisation 2020-2021 des noix de cajou. La dite campagne est prévue pour se dérouler du 11 mars au 31 octobre 2021 sur la base d'un prix plancher d'achat des noix de cajou aux producteurs dont le montant est de 300 francs CFA le kilogramme. Les ministres qui en ont la charge sont instruits à l'effet de veiller à son bon déroulement et d'éviter les sorties frauduleuses de noix du territoire national. Au titre des autres mesures normatives, le Conseil a adopté les décrets relatifs à la modification du décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement du Fonds national de développement agricole et la nomination des membres de son conseil d'administration. Au titre des communications, réaménagement des mesures préventives de lutte contre la COVID-19 dans le cadre du déroulement de la campagne pour l'élection présidentielle d'avril 2021. Le plan de riposte contre la pandémie adopté par notre pays allie les dispositions mises en œuvre pour en limiter la propagation, la prise en charge des cas positifs, de même que des mesures de résilience et de continuité des activités sociales, sportives, économiques et politiques. Tenant compte du contexte actuel de la pandémie qui affiche une hausse générale des cas, en particulier des cas graves et des décès, mais également de ce que l'élection présidentielle est un événement majeur dans la vie politique d'une nation, il y a lieu de réaménager les mesures préventives dans la perspective du déroulement de la campagne électorale. En effet, pour ce scrutin, la circonscription électorale est le territoire national et les candidats doivent, à l'évidence, s'employer à convaincre les électeurs dans tous les départements et communes. À cet effet, les regroupements de plus de 50 personnes sont exceptionnellement autorisés dans le strict respect des gestes barrières. Les candidats à la dite élection sont donc invités à faire respecter ces mesures sous leur responsabilité à l'occasion des rassemblements qu'ils organisent.
Demain, les artisans du Bénin seront à l'honneur. Ce sera pour la 10e année consécutive que, depuis l'instauration de la journée qui leur est dédiée. C'est pour leur souligner toute la valeur que leur accorde leur pays dans l'éclosion de l'économie nationale. Et pour demain donc, le ministre Modeste Kérékou a eu de très bons mots à leur endroit. Voici ce qu'on peut retenir dans cet extrait proposé par Wahab Alikba. Vendredi 5 mars 2021, premier vendredi du mois de mars, sera célébrée la journée de l'artisan béninois. Instituée par décret numéro 2010-145 du 28 avril 2010, cette journée symbolise la volonté du gouvernement d'honorer les acteurs du secteur de l'artisanat pour leur précieuse contribution au développement économique et social de notre pays. En effet, de par la diversité des métiers qui le composent et son poids économique, l'artisanat béninois représente un puissant levier de développement économique et social de notre pays. Composé de 8 branches, 40 corps de métier et 175 métiers, il est un maillon essentiel de la vie économique et sociale, créateur de richesses et pourvoyeur d'emplois. C'est conscient du potentiel dont recèle le secteur de l'artisanat que le chef de l'État, Son Excellence M. Patrice Talon, lui accorde une attention soutenue avec la mise en œuvre de réformes majeures destinées à la professionnalisation des artisans. L'année 2021 sera marquée par la poursuite de la réforme de modernisation du secteur de l'artisanat, telle que prévue par le programme d'action du gouvernement. La poursuite de la feuille de route conduira à l'organisation des élections consulaires et à la mise en place effective de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin, la CMA Bénin. C'est l'occasion d'exprimer toute la gratitude des artisans à l'endroit du président de la République qui a accédé à leur doléance en faveur d'un recensement national complémentaire des artisans pour donner une chance aux artisans retardataires qui ne s'étaient pas fait enrôler. Je vous exhorte à inscrire cette 11e édition de la journée de l'artisan béninois dans le cadre de l'accompagnement de la réforme entreprise par le gouvernement, d'une part, et d'une réflexion sur l'avenir du secteur de l'artisanat afin de mieux bénéficier des différents appuis du gouvernement, d'autre part. Chers professionnels des métiers de l'artisanat, je vous invite à faire de 5 mars 2021, journée de l'artisan béninois, un jour d'engagement citoyen pour la transformation qualitative d'un artisanat résolument compétitif et à fort potentiel de création de richesses et d'emplois. D'un ministère à un autre. Nous sommes maintenant à celui qui s'occupe de l'industrie et du commerce. Il a ouvert aujourd'hui même, un atelier pour la revue de son plan de travail annuel au titre de l'année 2020. Et les participants présents vont profiter de l'occasion pour procéder au lancement du PTA 2021. Allez, Moumouni. C'est à un double exercice que se donnent ici les cadres et les acteurs de la chaîne des dépenses publiques du ministère de l'Industrie et du Commerce. Une tradition qui, au début de chaque année, consiste à faire la revue du plan de travail annuel au titre de l'année précédente et procéder au lancement de celui de l'année en cours. Pour plus d'un an d'intense activité, marquée par l'apparition de la pandémie du COVID-19, nous voici tous conviés ce jour, 4 mars 2021, à évaluer les activités budgétaires de l'année précédente et à nous projeter sur les réalisations futures de l'année en cours à travers cet atelier. Pour 2020, le taux d'exécution physique du plan de travail annuel du ministère de l'Industrie et du Commerce est de 80,37%. Quant à l'exécution financière, elle est évaluée à 98% base engagement et de 78% base ordonnancement. Des performances réalisées malgré la COVID-19 et sur lesquelles les participants débattent afin de relever les prochains défis. Nos objectifs pour 2021,
avec un PTA qui est le dernier du quinquennat, c'est d'avoir un ministère accompagnant davantage la promotion du secteur privé à travers toutes les mesures de facilitation des échanges à mettre en place. L'amélioration de notre offre exportable à travers la mise en place des infrastructures de qualité et de métrologie. Intensifier la veille commerciale à travers un code de la consommation. Placer le Bénin dans le commerce mondial. Continuer à développer les services aux usagers à travers les e-services. Dynamiser le marché intérieur à travers l'actualisation de nos tests commerciaux, la gestion des infrastructures marchandes. Et encore améliorer la structuration de nos ministères, de nos services. Dans l'optique d'atteindre ces objectifs, le ministère de l'Industrie et du Commerce s'est doté de certains outils pour le suivi des différentes activités. Il s'agit du comité ministériel d'audit interne et celui de maîtrise des risques. Encore un autre ministère, celui-là en charge de l'agriculture, occupé actuellement à faire prospérer le projet d'appui aux infrastructures agricoles dans la vallée de l'Ouémé. Il est allé offrir des motoculteurs, des barques motorisées et des matériels de bureautique aux producteurs et autres structures travaillant sous sa tutelle dans le cas justement du dit projet. Voici le résumé de la cérémonie de remise des matériels avec Ulrich Gaba et Deron Pévi. Du renfort logistique pour les producteurs à travers les agences territoriales de développement agricole Pôle 7 et Pôle 5. La présente cérémonie consacre la remise de matériels agricoles et d'équipements bureautiques acquis dans le cadre du projet d'appui aux infrastructures agricoles dans la vallée de l'Ouémé, Païavo, à travers son volet renforcement de capacité. À ce titre, nous avons déjà fait une première tranche d'acquisition et nous sommes à la deuxième tranche qui aujourd'hui est composée des équipements d'appui à l'amélioration de la productivité, notamment pour ce qui concerne le riz, et des équipements d'appui, d'accompagnement pour le suivi appui conseil aux producteurs, puisque nous avons beaucoup de producteurs qui sont de l'autre côté de la rive. Il faut traverser, les ATDA sont là, la mairie, il leur faut des moyens pour aller de l'autre côté pour pouvoir suivre donc les producteurs. Il y a des bacs motorisés qui sont prévus et nous avons également des équipements bureautiques. Sur la ligne, il est prévu au total 300 millions de francs environ pour ces équipements. Nous avons fait une première tranche de 50 millions. Aujourd'hui, ce que nous remettons, ça fait environ 100 millions. Et avant la fin de l'année 2021, puisque le projet tire vers sa fin, nous sommes en train de prendre des dispositions pour que sur cette ligne, tout ce qui est prévu comme acquisition soit bouclé. Les infrastructures remises ici par le ministre vont aux producteurs et parties dans les caisses communes d'intervention du Païavo, mais aussi aux structures sous tutelle pour renforcer la mobilité des agents afin de mieux suivre les producteurs dans la qualité de leur rendement. En mettant aujourd'hui à disposition quelques motoculteurs, je suis amené à croire que nous passons de la daba à la mécanisation. Nous réduisons la pénibilité du travail. Et les spéculations ciblées aujourd'hui sont des spéculations à haute valeur ajoutée. Je souhaiterais qu'à la fin d'une ou deux saisons, nous soyons capables d'organiser une grande foire et de démontrer qu'en utilisant ces équipements-là, nous avons doublé, triplé la disponibilité. Et que des paysans puissent témoigner l'amélioration de leurs revenus et de leurs conditions de vie. La reconnaissance des bénéficiaires est grande. Le leadership du gouvernement est fortement salué par le premier responsable de l'ATDA, Pôle 7. Nous remercions particulièrement le ministre de l'Agriculture pour sa disponibilité et sa proximité avec les responsables de ses structures sous tutelle pour son accompagnement constant et le coaching dont il fait preuve à nos côtés pour nous galvaniser davantage pour l'atteinte des objectifs qui nous sont assignés. Merci à vous, Monsieur le ministre. Et merci également à Payavo pour ses dons en équipement au profit des acteurs des filières maraîchage, riz et maïs
et également au profit des directions techniques qui l'accompagnent dans la mise en œuvre de ces activités. Le projet Payavo tire vers sa fin. Le gouvernement et les responsables du projet entendent bien capitaliser les acquis de ce projet de 7 ans pour insuffler une nouvelle dynamique à la production agricole dans les 15 communes impactées. Mesdames et messieurs, faites-vous une idée en 10 minutes des réalisations du gouvernement Talon en 5 ans. Il y a un bréviaire qui vous y aide et qui l'indique d'ailleurs par son titre. 10 minutes pour convaincre sur les acquis du PAG 2016-2021. Il a été mis en circulation hier au bout d'une cérémonie officielle à laquelle a pris part Narcisse Alonso. Et voici son point. Votre présence à mes côtés ce jour... Devant un parterre de personnalités, Herman Atindeou sort les résultats d'un état des lieux sur le programme d'action du gouvernement un peu moins de 5 ans après son lancement. Des résultats dressés dans ce document de 15 pages intitulé « 10 minutes pour convaincre sur les acquis du PAG 2016-2021 ». L'idée de réaliser ce document m'est venue d'une discussion avec un amoureux du régime de la rupture à qui j'ai demandé simplement de me fournir un exemple de réalisation faite dans le domaine de la santé et qui fait du bien à la population. Impossible pour lui de répondre. Une autre question, même résultat, malgré qu'il soit un amoureux du régime. Je me suis alors évertué à lui donner quelques exemples et j'ai pris la décision d'écrire un document sur la base du rapport de l'an 4 du PAG afin de sortir le condensé des grandes réalisations dans certains domaines stratégiques pour que ce document soit un outil pour convaincre. Convaincre les incrédules et pour le faire, l'auteur de cet ouvrage a fait le condensé des actions fortes du programme d'action du gouvernement baptisé Béné Révélé. Du social à la sécurité en passant par la santé, les finances, le numérique, la justice, la diplomatie, la culture, le sport, bref, aucun domaine stratégique n'a été omis par l'auteur dont l'œuvre est co-parrainée par deux personnalités politiques de premier plan. Pendant que nous étions au charbon, avec la rigueur et le rythme que le président de la République a imposé à la gouvernance du pays, il nous a parfois manqué le temps pour consigner les acquis et les présenter dans les détails à ceux qui en sont les bénéficiaires. Et donc, réussir à renseigner l'essentiel dans un document qui, en 10 points, peut permettre en 10 minutes de comprendre l'essentiel de l'action qui a été conduite pendant les 5 ans, c'est un effort vraiment que je voudrais saluer. Je voudrais également saluer le moment auquel vous lancez la distribution de ce document. Comme on le dit souvent, les actes valent mieux que les paroles. Aujourd'hui, nous avons du contenant, nous avons du contenu. Nous avons la possibilité de doigter les choses. Nous avons la possibilité de faire voir les aveugles. Nous avons la possibilité de faire entendre les sourds. Sur ce document intitulé « 10 minutes pour convaincre sur les acquis du PAG 2016-2021 » est désormais pour nous l'outil capable de nous amener à venir à cette fin. Un exercice qui sera facilité par ce bréviaire qui offre à tout lecteur la synthèse de ce qui est fait en 5 ans et dans un style accessible à tout le monde. Nous aurons à parcourir monts et vallées pour convaincre les gens, mais il fallait structurer, n'est-ce pas, notre discours, et c'est pour ça, ces 10 minutes-là, pour convaincre pour 10 ans, est une belle initiative. L'objectif de l'auteur est de doter chaque commune du pays d'au moins 1000 exemplaires de son ouvrage pour mieux combattre la désinformation et l'intoxication. Un dernier élément, le temps de boucler cette édition du 19h30 sur Canal 3 Bénin, le Lions Club. Expert Aqua Marina était il y a quelques semaines avec les populations de l'arrondissement de Yokpo. C'est dans la commune de Zé. Ses membres sont allés assister les populations démunies avec des kits scolaires, des moustiquaires et même des balles de vêtements. Suivons ici le reportage.
Derrière cette joie qui anime la population de l'arrondissement de Yorkois dans la commune d'Auxerre, un geste humanitaire des membres du Lions Club Equiaqua Marina du district 403 à 4. Ils sont venus les bras chargés de kits solaires, de moustiquaires imprégnés à longue durée, des masques de protection contre la COVID-19 et même des balles de vêtements pour soulager leur peine. Ça nous a fait du bien, nous sommes très contents de vous avoir reçu. Et nous sommes tout fiers de toutes les dons que vous nous avez amenés. Le Lions Club est un club super parce que, en l'espace de 3 mois, ils ont eu à faire 2 descentes dans notre arrondissement. Déjà, dans la Noël, on les a accueillis dans le village de Roulincourt. Ils étaient venus nous donner le sourire à nos enfants, à nos frères, à travers les cadeaux, la célébration de la Noël. Aujourd'hui encore, vous êtes venus encore nous donner de sourire. Vous êtes venus nous protéger. Je n'ai pas grand-chose à dire. Je vous dis merci. Cette œuvre qui se fait, qui se réalise, ne serait pas la dernière. Il va falloir que chacun puisse être servi. L'action répond parfaitement aux objectifs du Lions Club International. Elle s'inscrit dans la droite ligne de préservation de l'environnement et la lutte contre le paludisme, deux grands axes stratégiques sur lesquels repose ce rassemblement mondial. Nous avons donc apporté des kits solaires, 50 kits solaires, pour donner la lumière à Zeyoko. C'est une commune qui est vraiment dans l'insécurité d'abord. Les enfants étant des élèves qui ne peuvent pas travailler, ils sont obligés de travailler à la lanterne et qui créent également des accidents domestiques. Donc aujourd'hui nous avons décidé, Equiaqua Marina, nous avons décidé d'électrifier ce village de Zeyoko. Nous avons prévu 100 moustiquaires pour lutter contre le paludisme. Parce que nous avons constaté qu'il y a plusieurs femmes enceintes, mais qui dorment sans moustiquaires. Nous sommes convaincus que nous avons fait quelque chose. Et ceci, d'abord, qui recouvre nos 5 causes. Le coût global de ce don s'élève à environ 3 800 000 francs CFA. Bon usage en sera fait, rassure les bénéficiaires qui attendent bien d'autres donateurs, à l'image du Lions Club Equiaqua Marina, pour véritablement sortir de leur état de vulnérabilité. Mesdames et messieurs, vous savez tout des raisons officielles qui ont conduit à l'arrestation hier de Riakiat Madougou, la candidate recalée du Parti Les Démocrates à la présidentielle prochaine au Bénin. C'est le procureur spécial de la CRIET, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, qui a pris la parole aujourd'hui pour parler de projets d'assassinat ciblés sur des personnalités publiques et de blocage du processus électoral. Et Marco Dono nous a recueilli ses propos, les propos de Mario Metono. Justement, parlant de processus électoral, la campagne pour la présidentielle prochaine se fera avec des rassemblements humains au-delà des limites de 50 fixées dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus. C'est le gouvernement qui a pris cette option hier au cours du Conseil des ministres. Vous avez suivi Alain Orunla, c'est son porte-parole. Par ailleurs, sur le reste, des décisions prises à l'occasion. Un processus électoral encore et toujours avec des chrétiens qui ont promis de travailler à convaincre leurs congénères chrétiens sur la nécessité de préserver la paix en cette période électorale. Ils ont mis sur pied samedi un creuset pour le dessin. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour cette session d'information. Merci de m'avoir suivi. Ce fut un plaisir pour cette énième aventure de la semaine qui s'arrête ici pour moi. Vous passez une excellente soirée. Bon week-end par anticipation et bonsoir chez vous.